Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau championnat. Y attendez-vous? Je ne crois pas. En tout cas, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que bah, normalement, top le dé. Donc on se retrouve sur le jeu le moins apprécié de la série des Formula 1. Alors, est-ce que c'était un choix déterminé parce que c'était justement le plus mauvais? Aucune idée. Non, en vrai, c'était pas vraiment le cas. C'est simplement que je me suis dit, quitte à faire un des Formula 1 pseudo actuel, c'est-à-dire celui de la Comaster, je voulais faire un de la catégorie des turbos. Et il s'est avéré que à la base j'étais parti pour faire la saison 2015 sur PC. Seulement j'ai un gros problème, je ne peux jamais sauvegarder. Ce qui fait que malheureusement, j'ai dû retenter 2014. Et 2014 sur PC ne sauvegarde pas non plus. Donc du coup on s'est retrouvé à dire s'il y avait une version PS3, il n'y en avait pas. Du coup je me suis dit quelle est la dernière version sur PS3 sortie? C'est le 2014. Et donc on est avec la version console du coup, et nous allons démarrer un mode championnat. On peut voir les équipes de la saison 94. Alors, étant donné que je débute dans le jeu, je ne vais pas prendre une équipe forcément nulle, genre Caterham, non Russia. Mais je me tâte à prendre quand même un truc marrant, genre soit Sauber, soit Lotus, soit pas Toro Rosso aussi, ou Force India. Seulement je pense que prendre une équipe au-dessus en étant juste débutant, c'est un peu compliqué. Donc je vais, enfin compliqué pour le RP, donc on va prendre Sauber. Nous allons pas prendre Ryan Sutil, mais Esteban Gutiérrez, qui n'était pas un bon pilote honnêtement en Formule 1. Donc voici le format, short weekend, 25% de distance de course. On va mettre en custom, je vous expliquerai ce qu'il y a exactement, pas safety car, on met la météo dynamique bien entendu. Et là nous allons choisir la saison 2014 entièrement. Vraiment, je me suis demandé si pourquoi il n'y a pas de championnat, mais en fait, si on peut, il faut pas. Donc, on va débuter pour le Grand Prix d'Albert Park. C'est parti. Donc voilà, donc c'est le jeu le moins apprécié quasiment de la série des Formula 1. Alors peut-être que le premier est pas fou à l'heure actuelle, hein, mais je parle vraiment pour son époque. Il y a pas mal de bugs. Mais on va voir si ça marche quand même sur la console ou pas. Ça m'intéresse. Alors c'est possible que je fasse des pauses évidemment dans la vidéo pour vous épargner certaines séances. Mais comme là on est en one shot qualification, je pense que ça devrait aller. Donc moi ce que je vous propose de faire, je sais même pas s'il y a les essais libres. S'il y a les essais libres, je vais les faire en off. Les qualifs on les fera en one shot. Et je vous les montrerai. Et évidemment la course bien entendu. Il est par contre déjà première chose qui m'énerve un peu, les chargements sont super lents dans ce jeu. Comparé à la version PC, waouh. Wow. Multiplié par 3 ou 4, la durée des chargements. Des fois je me suis même demandé si ça plantait pas. En fait pas du tout. Et on va directement commencer par la qualification, bah du coup on va rentrer dans le bain direct. Voilà, donc Sauber qui était une équipe en chute libre hein, après une bonne année 2012, 2013, la fin de saison était pas trop mal, par contre 2014, ouais, 0 points hein, en vrai. Alors on peut choisir le setup, on a quick setup, donc stable, balanced setup, top speed et downforce level. Accélération, moins agressive setup. Je pense que vu qu'on est à Mont Melbourne, il y a encore lancé le chicane et tout, se mettre en. On va mettre un peu plus d'aileron. Donc on va faire go to track. Donc c'est parti. Allez, on met le DRS, évidemment, puisqu'on est en 2014. C'est quand même presque une première dans le sens où je n'ai jamais fait de jeu avec aussi récent en fait. J'ai fait le 2019 un petit peu comme ça en multi. Mais vraiment, aucun Formula 1 réellement avec un système de DRS en mode solo. Alors, les IA sont en mode professionnel.
voilà, que je vous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de la configuration. On est en mode 25% de course. On n'a aucune aide, si ce n'est juste l'anti-patinage en moyen. Voilà, et la boîte en auto, voilà. Je pars là. Alors déjà, pour quelqu'un qui sort des Formula One classiques, je peux vous dire que je trouve le jeu magnifique. En tout cas, pour l'époque, je trouve qu'il devait être pas mal. Jolis effets lumineux. Alors je précise que j'ai déjà roulé sur le circuit avant dans le jeu, attention, hein, je suis entraîné un peu avant, donc je connais le circuit et tout ça. Par contre, de là à dire que je le connais parfaitement, je vais le tracer, mais pas vraiment au niveau de la... au niveau des setups, etc. Ok, donc on est 18ème sur la grille, on n'est pas loin d'Adrien Sutil, puisqu'il a fait, par contre on n'est pas loin, on a fait une seconde, quasiment plus d'une seconde d'écart avec lui. On est le meilleur des autres, on va dire, en tout cas des Caterham et des Marussia, mais on est le dernier du peloton. Et du coup c'est Lewis Hamilton et Nico Rosberg qui vont partir en pole position devant les Red Bull de Sebastian Vettel, Ricciardo, Alonso, Raikkonen, Massa, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen et Jenson Button. C'est marrant parce qu'elles sont toutes en 1-2 quasiment. Vous voyez, il n'y a quasiment aucune équipe qui se panache, c'est vraiment les uns derrière les autres. Donc on peut faire restart, on va faire continuer bien sûr. Il n'y a pas de continue, c'est-à-dire que je ne peux pas. Si je me crache, c'est fini. On a les dégâts en réaliste. Pas de dégâts. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le setup course. Donc normalement, il y a 15 tours, il y a l'air de faire beau. Je pense que qu'il fait beau. On a le choix, il faut prendre deux gommes si je dis pas de bêtises. La stratégie, voilà, on a 15 tours. Je peux choisir de partir en prime ou partir. Voilà, on a prime ou option. Je vais partir en prime, on va partir avec les pneus durs donc on sera un peu plus lent. Mais au moins. Ah oui, restart, on est en option. En vrai, j'ai plutôt envie de prendre des primes. On va prendre cela. Pas des primes, on va prendre des. Oui, ça, des primes. Et lab 2, je suis obligé de prendre des options. Donc, quitte à prendre des lab 2 en option, on va les prendre autour de 9. Ah. Sachant qu'en plus, je peux m'arrêter vraiment quand je veux. Hein. C'est-à-dire que je suis pas obligé de m'arrêter vraiment pour 10. Et au niveau des réglages, après les go to track, quicker setup. Pas go to track. On est en anglais. Hein. Voilà. C'est pas grave en soi. On va skipper la scène à chaque fois. Nous partirons donc 18ème sur la grille, ce qui est pas fou. Comme nous sommes en 2015, bien évidemment, c'est Mercedes qui. 2014, pardon, c'est Mercedes qui va dominer outrageusement. Et bah, notre objectif sur la saison, ça va être de marquer des points. Et c'est parti! Tout le monde reprend la saison à Melbourne. On va essayer de faire le trou un peu dès le début. Oh, attention quand même. J'ai des dégâts donc faut faire attention. Je suis pas un peu en gomme tendre hein, donc. On va sûrement galérer en termes de rythme. J'ai même perdu des plages, je crois. Tiens. Wow, attention devant. Oh là là, la Lotus qui était au ralenti. Donc ils sont un peu lents, on va en profiter pour essayer de grappiller les positions. On est 14ème. Alors vous allez voir bouger le volant toujours de manière un peu anarchique, hein, bah vous avez l'habitude. Hein. Sauf que là je ne joue pas à la croix, je joue à l'analogique. Sauf que comme je n'ai quasiment jamais à l'analogique, je n'ai pas l'habitude. La traditionnelle vue arrière, voilà.
Comme les IA sont en professionnel, bah évidemment en termes de rythme, nous on va... On risque de galérer un peu. En tout cas, un premier tour, on a gagné quelques positions, ça fait plaisir. Il dit que ça devrait être sec jusqu'à la fin du... la course, en toute la course. Est-ce qu'on pourrait un peu hausser le rythme ou pas, sans faire trop de bêtises. Au niveau des règlements de drapeau, c'est que les cuts qui sont pris en compte. On n'aura pas forcément le dépassement sous drapeau jaune, etc. Je voulais me simplifier un peu la vie quand même, parce que sachant que je vous dis, j'ai déjà vu une série sur un jeu que je connais à peine. Je ne voulais pas non plus que ce soit une purge totale. Devant, on a Jean-Éric Vergne. J'ai vraiment du mal par contre à la prendre en sortie. Alors on m'a dit que les sons de 2014 étaient foirés, et en soi j'ai l'impression aussi. C'est juste des sons. Ouais, attention, c'est juste des sons. Juste des sons du 2013 apparemment étouffés. Sinon il m'en fout. Alors vu que j'ai des pneus. Je sais plus comment je les appelle, c'est Primo Option, j'ai encore pas l'habitude. Bon, les pneus blancs, vous allez comprendre, des pneus durs, ça. J'espère qu'ils vont avoir moins de grip vers le milieu de la course. Ça me permettre peut-être de remonter un peu. Parce qu'ils ont des très bonnes gommes pour commencer les premiers tours, mais après... Ouais, ça patine derrière, on le sent quand j'accélère un peu trop fort. J'espère que le son sera bon pour cette première course, je corrigerai dans la deuxième si besoin. Attention à cette chicane derrière, puisqu'il y a. Si on va un peu trop à l'intérieur, il y en a une bosse qui peut nous emmener complètement en tête à queue. Et on est quatrième tour normalement. Si les autres s'arrêtent, ça va être aussi septième tour. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rythme qui est bon. Ouais, quoi. Voilà, ça va être la correctionnelle, là. C'est une dixième, peut-être même pour utiliser le DRS. Peut-être une droite après si je me loupe pas. Ah, j'ai raté ma accélération. Il s'arrête au stand déjà. Remember to use DRS to gain a speed advantage if you need to get past someone.
J'ose pas aller trop sur les vibreurs, j'ai l'impression que la monoplace va d'un seul coup partir. Je sens que je suis assez safe à ce niveau-là. Alors, je sais pas si on peut activer les sous-titres, mais je pense que je le ferai. Là, ça vous permettra de lire ce qu'il dit, parce que des fois il est pas trop compréhensible, hein, si vous êtes pas trop familier avec l'anglais. Bah, c'est pas fou des fois. On a Perez à 4 secondes. Il y a un moment où on verra les plus dégradés, j'imagine. Dans les gros gens qui sont en train de revenir sur moi. J'ai raté mon freinage. J'ai un bon de seconde et demie là. On va essayer de reprendre un peu de rythme quand même. Ça a arrêté au stand, je pense, gros gens, ouais. On voit plus. J'ai même pas de DRS. Oui, j'ai pas eu la détection avant. Contre une Red Bull, je pense qu'on va galérer, mais bon. On va même tenter un peu de s'accrocher un petit peu. Elle me dit que la température des pneus était bonne. Un peu. Il va quand même tenter d'y aller. Oh, il est vraiment plus rapide que moi. Y'a rien à faire. On va essayer d'éviter le DRS. Il va l'avoir. Le DRS.
Je vais rallonger mon freinage au maximum. On va s'arrêter au 9e tour normalement. C'est vrai que je peux enrichir le mélange aussi, j'ai oublié. Ça peut faire chauffer un peu la monoplace. On le fera quand on sera sorti des stands avec des bergomes. Je fais ça normalement, tac, fuel, je peux faire rich mix, on va le garder en standard pour le moment. Ah, j'ai tiré tout droit. Je suis trop concentré par mon régime, mon enrichissement. Oh, même la Ferrari s'est fait reprendre du coup. Ah, j'ai pas tenu, certain. Oh si. Si on assiste un peu quand même, ça tente pas trop. Ok, on va rester en prime pour le moment. Alors, je suis un bouchon extraordinaire d'ailleurs. Et on va rentrer au stand. Allez, c'est parti. Un rythme qui était pas fou, mais bon. En seconde 7, c'est pas mal. Enfin, pour 2014, c'était vraiment bien. Enrichissement max pour prendre un peu de grip, pour reprendre un peu de puissance. Alors déjà avec les gommes neuves que ça peut donner en fin de relais, sans forcément enrichir le mélange. Un peu plus rapide que Grosjean.
Allez, on se rapproche, on se rapproche. On va avoir un petit peu d'aspiration déjà pour commencer. Oh, à l'extérieur carrément. J'ai le DRS. Ah, par contre, 10 secondes de retard sur Kiat, ça va être compliqué, je pense. Après une seconde. Il nous reste 4 tours à faire. Bon, je pense que les pneus ont envie de se dégrader, on va pas pouvoir tenir le rythme là du tour jusqu'à la fin. Ma sortie. Alors, c'est vrai que la saison 2014 est une saison qui, en tout cas à l'époque, je détestais. Parce qu'évidemment, le retour au turbo avec les bruits horribles que ça donnait, c'est pas fou. Les ailerons avant, les ailerons, les nez qui étaient dégueulasses aussi en 2014, ça faisait un beau combo. Alors, heureusement pour moi, vu que je suis porté à Hamilton, j'étais content, il y a des champions comme ça. Mais hors dehors de ça, j'étais content pour Williams aussi. J'ai raté le moment de ma sortie. Mais ouais, c'était pas une saison que je retiens totalement. Ah, j'ai perdu du temps. Ça va redéraper maintenant. Je pense que je suis repassé à 8 secondes, 8 secondes et demie. 10 secondes! Ouf. Ah, j'ai perdu un temps monstrueux. Et Grosjean est déjà à 0,8 dixième. Oh là là! Mon dieu! Oh, la perte de rythme a été insane. Il nous reste deux tours. Et derrière, c'est en train de revenir, j'ai l'impression, derrière Grosjean. C'est vrai qu'à part s'éloigner le plus possible de la Lotus derrière nous. Alors, pourquoi je voulais prendre la saison 2015 à la base? C'est surtout parce que je voulais faire un petit RP avec l'équipe McLaren, qui était au bord du gouffre, hein, si vous vous souvenez, en 2015, avec l'arrivée de Honda
Et les dizaines de places de pénalité à cause du moteur. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de, bah, de faire un peu le RP avec, avec McLaren. Et je me dis, bon, bah, finalement avec Sauber ça peut le faire en 2014. Donc... J'ai trouvé un petit entre-deux. Si là, pour la première course de la saison, bah, c'est raté puisqu'on va pas manquer de points. Alors la seule chose encourageante, c'est que pour une première course, on a un rythme qui est correct. En tout cas, par rapport à une Sauber, je pense qu'on est pas mal. Faudra comparer avec des gens à l'époque, hein, ceux qui ont le jeu, parce que j'avoue, je sais pas où me placer. 2014-2015 étant considérés pas comme les plus difficiles en plus au niveau des Formula 1, des F1. Je voudrais dire Formula 1 parce que c'est pas la même série. Et Hamilton qui a remporté le Grand Prix, remporté la course, ce qui n'était pas le cas en vrai, c'était Rosberg. J'ai déjà plus de... quasiment plus d'essence. D'ailleurs à l'époque en 2014, si vous vous souvenez, il y avait les consommations, pourcentage restant d'essence qui était mis sur la télévision. Parce qu'à l'époque on savait pas trop si les équipes allaient pouvoir aller jusqu'au bout. Ouais, ça a été vite oublié. Bon bah écoutez, on va finir à une 13ème place correcte, honnêtement. C'est pas mal. On est parti 18ème je crois sur la grille. On finit 13ème, on a gagné des positions, on a eu un rythme bon. Allez, correct. Et on a gagné 5 places, voilà. Avec un meilleur tour en 1.32.8, qui est, je pense que ça a dû être fait en prime. Enfin, en prime. Je sais plus si c'est les primes, les meilleurs pneus, c'est pas grave. Alors du coup, pour cette première course de la saison, les deux Mercedes qui s'imposent, on n'en doutait pas, regardez l'écart avec Alonso, 3ème, 15 secondes, Ricciardo, 4ème, Kimi Räikkönen, 5, Vettel, 6, Felipe Massa, 7, 8ème Valtteri Bottas, 9ème Kevin Magnussen, 10ème Nico Hülkenberg, voilà pour les pilotes qui vont marquer des points. Donc un petit point pour Fontidia, et aussi le petit point pour McLaren. Côté on finit 13ème, et Soutil finit... Il finit 20ème Soutil, d'accord, ok, ouais, il a pas été, été bon. Bah écoutez, on va faire continuer. Voilà le classement donc, qui est le même pour le moment. J'espère qu'on pourra sauvegarder entre les courses, parce que si je dois faire tout d'une traite, ça va être compliqué. Il y a normalement 19 courses, si je dis pas de bêtises, en 2014. Ça va être assez long, hein, sachant que vous voyez, on fait des courses de 15 tours à peu près, enfin 25%. Alors j'ai pas pris de mode carrière. Pourquoi ? Bonne question. Bah, c'était pour éviter un petit peu les temps de latence avec les interviews, les machins. Alors ça aurait pu être intéressant, effectivement. Bon, déjà, on va se concentrer sur une saison, sur ce jeu. On verra plus tard pour le reste. Les chargements sont très longs. En tout cas, ça a bien tourné, il n'y a pas eu de problème. En tout cas pour cette course, donc j'espère que la suite sera la même. Bon, au travers de la gorge, certains championnats arrêtés au milieu, voire au début de saison à cause de bugs. Alors... Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder? On est à Sepang. Pour les qualifications, il fait pas très beau en vrai. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder, on va quitter. Puisque je vous montrerai la course plus tard. Et puis moi, de mon côté, je vais pas enchaîner les courses d'affilée parce que ça va être un peu compliqué aussi. Alors, on a quick setup, blablabla. On va faire good pause option. On a les options. Est-ce que je peux faire... Alors, non, on va faire ça. Option... Ça, on change pas. Attendez, si j'en profite un petit peu. Ouais, l'OSD, on l'a. Recounter, on l'a. Le VerTag, je l'avais enlevé. Ça tue.
Mais qu'on a inventé. Alors si je quitte to main menu, you will lose any end save progress. C'est où j'ai un peu peur. Est-ce que je peux quitter sans me faire avoir? Bon, on va faire ça. Attendez, on va faire back. Je peux vraiment rien faire là. Parce que si je fais go to track, je vais commencer directement en plus. Je vais faire quitte tout mes menus. Tant pis, j'aurais testé. Si ça marche pas. Si ça marche pas, on est dans le jus. Il va falloir que je recommence. Bon, évidemment cette partie-là, je l'arrêterai la prochaine fois. Hein. C'est parce qu'on est la première vidéo de la championnat. Ah on peut garder, donc voilà. Donc si je fais ma F1 normalement. Je peux faire sauvegarder. J'aurais marqué auto-saving, mais je vais faire sauvegarder à nouveau. Donc normalement, je pourrais reprendre. Je pourrais reprendre ici le mode Grand Prix avec. Voilà, la Q3. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup pour la prochaine Grand Prix en Malaisie. Ciao tout le monde! Thank you.